donc bonjour à tous et à toutes. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo découverte sur Ghost Song. Donc c'est un jeu qui joue à la manette. Donc je sais pas du tout, je sais juste que c'est en 2D. Et que ça a des belles couleurs et que c'est un jeu d'aventure à la base, donc on verra. Un peu comme à la Hollow Knight, hein, comme d'hab. Donc j'aime bien faire ces jeux, ce style de découverte, c'est vraiment cool je trouve. Alors difficulté, original et exploration. Original, donc le jeu tel qu'il a été conçu à la base, il représente un défi. Vous recevrez une récompense supplémentaire en terminant le jeu. Si vous jouez beaucoup, je vais laisser ce mode. Ah, des pénalités, j'ai vu le mot pénalité sur le mode difficulté exploration, j'ai quitté direct. Ok. La nécro-armure. Elle est restée inerte pendant bien des années. Mais aujourd'hui, quelque chose s'agite en elle. Quelque chose de nouveau. Bonjour. Dead suite. Donc là on singe un peu de dés. Donc on peut tirer. On peut mettre des coups de crosse. C'est plutôt pas mal en vrai en soi. Alors est-ce qu'il y a des dashs? Donc on peut viser. Ok. Pas mal ça. D'accord. Donc en fait, tous les petits matériaux qu'on voit un peu, c'est genre des... C'est un peu des trucs de soins, quoi. Ah, attends. On va péter ça, ça veut dire. Pas mal, ça. Vérifier. Ouvrez le menu de statut pour accéder à l'onglet de la carte. Attends. Ok, en vrai c'est pas mal. Si vite, petite fleur. C'est un peu bizarre. Ah, faut peut-être taper dessus. Non. Ah, d'accord. J'avais pas vu qu'il y avait un nouveau truc là. Ok. Zone suivante, possiblement? Non. Une fleur. Comment tu as fait pour pousser
Si vite, petite fleur. What? Bizarre ça. Je sais pas c'est quoi, c'est... Je sais pas c'est quoi... Oh, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi ces choses là, mais... Je vais flipper ça. Un cimetière! En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le temps du soin. Et ça, ça a l'air d'être pas mal. Et des munitions infinies. Ah, il y a une surchauffe en tout cas. Ça c'est... Oh putain, j'ai pas vu derrière. Wouah! C'est quoi cette teuté? Oh, le... Belle, la vagabonde. Ah, parce juste parce qu'en fait, elle a des fleurs, du coup, elle est unique. C'est ça? Oh! Un noyau de soins pour récupérer de la santé. Ah! Ah, du coup, c'est ça que j'ai récupéré. Une sorte de truc qui permet d'ajouter un pouvoir supplémentaire. Attends. Ok, bah je peux pas. Je peux me... Oh! En fait, je suis monté, du coup je l'ai... Je peux même pas accéder. Je peux même pas accéder à récupérer l'objet en haut, ça dégoûte quoi. Après, peut-être qu'il faut un grappin. Possiblement. Alors, nouvelle zone. Oula, oh, oula. Oh, je le sens pas en bas là. Oh, c'est qui toi? T'es qui toi? Norberg Laboratory. Niveau supérieur. Réparé. Total, zéro. Niveau supérieur. Ah c'est... Ah d'accord, en fait quand on va ici c'est une sorte de zone pour pouvoir améliorer nos trucs, c'est ça? Ça veut dire qu'on peut améliorer la puissance de feu, la détermination, la vigueur. On va faire ça. Ouais. Et la vigueur. On peut réparer? Bon. Ouais donc en fait eux c'est les sortes de zones où... Oh, on peut sauvegarder là. Oh, je savais même pas qu'on... D'accord, donc en fait, ça, c'est des zones de sauvegarde. Très bien. Très, très, très intéressant. Bonjour. Ouvre ta porte, là. Ah, mais je suis con. Regarde en dessous. Regarde. J'avais complètement pas vu. Oh, j'ai pas compris là. Il m'a fait descendre tout en bas direct là. Ok. Ouais, c'est un peu Hollow Knight en fait. Mais t'es qui, mec? Ah, c'est un esprit fantôme. En fait, c'est un peu comme... Ouais, c'est pour lui donner la direction, quoi. Ouah.
Hop. Par contre, tu vois, il y a des petits frises de temps à autre, hein. T'es qui, toi? Ouais, j'étais qui, mec? Pas compris. T'es qui? Wesh, mec, t'es qui? Ok, bon, du coup, on est pas mal. J'aime bien l'inertie, genre du jump. Tu sautes ultra haut, t'es très bien. Ok. Donc là, par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une carte. Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, à chaque fois, on peut récupérer. Un peu comme dans les fioles d'astuces sur les Dark Souls. On peut avoir des trucs. C'est-à-dire que du coup, quand on va revenir sur comment ça s'appelle? Quand on va revenir sur un petit robot là, blanc. Et eh ben il va nous donner en fait un pouvoir. Enfin, il va nous faire revenir quoi. Ah du coup ça c'est le truc d'en haut. Oh! Ah non, j'ai jump ici. Et là je reviens au début du jeu. Wesh, wesh. Première mort. Donc on va revenir au robot, c'est ça? Ce qui serait logique. À moins que ça sauvegarde sur... Ouais. Je pensais que ça sauvegarderait, tu vois, juste sur chaque... Tu sais, imaginons, tu avances. Et genre, dès que t'as une... T'appelles... Dès que t'as une... Attends. Ok. Dès que t'as une zone, là... Je viens d'oublier ce que je viens de dire. Tu sais, quand par exemple tu descends dans une nouvelle zone, ça fait un chargement. Et ben, moi à la base, je pensais que ça se regardait à ce moment-là en fait. Mais pas du tout. Donc, ok, donc là on peut pas. Ah, c'est-à-dire qu'on doit refaire ça. Oh mince. Parfait. En fait, eux, ils sont pas vraiment embêtants. C'est plus les épineux qui sont un peu chiants, quoi. Genre, ils te sautent dessus et ils t'attaquent, tu vois. Et encore, là, ça, là, je fais une découverte, mais ça se trouve, il y a plusieurs zones. Un peu à la Hollow Knight, tu vois. Une zone désertique, une zone si, enfin, tu vois. Tac. Hop. Voilà. Par contre, ça va m'emmener où ça? Ah, il y a strictement rien en fait là. C'était juste un truc, voilà, pour faire style quoi. Par contre, là, je connais pas. T'as vu, t'as une petite barre sur ma barre de vie, juste là. T'as une sorte de petite barre un peu rougeâtre. Hein, donc, c'est quoi ça? Tu es peut-être empoisonné ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Oh! Ah! C'est quand tu meurs, en fait, c'est un peu comme à Dark Souls aussi, hein, tout de même. Hein. Genre, t'as. Ah oui, ils sont chiants, eux. Hein. Allez, dégage. Salaud. C'est un peu comme aussi comme à la Hollow Knight où genre tu récupères ton âme. Ok. Il n'y a plus d'ambiance là. Casse la tête, eux! En plus, je peux même pas me soigner.
En vrai, j'aurais dû. En fait, eux, je pense que c'est juste pour te faire chier, en fait. Je pense que j'aurais dû rush direct. Parce que là, j'ai plus de vie. Et s'il y a un boss, c'est horrible. Je veux passer là, mais. Ça se trouve, en fait, y a rien. Ah, bah, si, c'est un laboratoire. Donc, ça se trouve, c'est que dans ces zones-là, que dans les labos, en fait, qu'on peut trouver des trucs de swing. Quoi? Il y a du nouveau? L'ascenseur, c'est ça? On l'entend monter et descendre comme avant. C'est la première fois depuis combien d'années? Je me demande si on pouvait monter en haut, mais non, je crois pas. Ok. Voilà, je le sens pas cette zone, hein. Hop. Un peu de soin, un peu de soin. Un peu de soin. On peut rien faire. On peut rien faire. On peut strictement aller se faire foutre en fait. On peut strictement aller se faire foutre. Ok. Non mais là on peut pas trouver un endroit pour... Ouais, donc là on peut vraiment aller se faire foutre. Je pense qu'à mon avis, il y a un pouvoir en fait qui va nous permettre de faire un double jump ou un truc comme ça. Ce qui serait logique. Ok. On est là, hop. En fait, on récupère au fur et à mesure un peu de soin, mais. Ah, c'est sûr que ça veut dire qu'on est passé derrière. Donc ça veut dire que tout au bout, il y a l'objet qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des petits freeze hein, quand même. Hein. Mais ça, c'est normal. Hein. Après, le jeu, il est. Merde. Oh putain. En fait, le jeu, il est tout nouveau, du coup. Quoi, te phaser. Non, les dash. Oh, c'est les dash. Alors, est-ce qu'on peut foncer sur ça, là? Ouais, donc on peut strictement rien faire. Bon, en tout cas, on a un dash. Bon, par contre, ça consomme énormément, hein, bien évidemment. Mais ça nous permet de dash. Par contre, vu que j'ai pas de sauvegarde. Attends, on était d'en haut, du coup, on peut aller en bas, du coup. C'est quoi ça? Un pot de. Un petit lot de nanogel. Attends. Ah, ça me donne 100, d'accord. En fait, ça, ouais, c'est ça. C'est comme les âmes de Dark Souls, c'est exactement la même chose. Oh, attends. Attends. Est-ce qu'on peut. Oh, dommage. Dommage. On va passer par ici alors. Oh non. Voilà. Alors, est-ce que là je peux. Putain, c'est honteux. Mais attends, mais on fait comment là? Parce que là, en fait, on a rien, en fait. Oh là là. Je suis ma bec. Bonjour. Ma bec? Est-ce qu'elle peut nous entendre? Est-ce qu'elle va nous trouver? D'accord. Oh, le dash. Le dash est vraiment stylé, je trouve. Bon, par contre, bien gentil tout ça, mais. Y'a quoi en dessous là?
Ça, je me posais la question, je dis, est-ce que si on tombe, est-ce que on repop où? Oh putain. Hop. Voilà. Oh, du soin, oui. Oh, du soin. Quelle joie. Bon, par contre, ici, je crois pas que j'y suis allé, il me semble. Il n'y a pas un moyen d'augmenter le son du jeu, je crois. Voilà. Eh ouais, mon pote. Du coup, oh putain. Oh, le carnage, attends. Oh putain, non. Wesh, attends. C'est un peu comme c'est un peu comme Jump King. Faut juste doser un peu son jump, quoi. D'ailleurs, ça l'a même pas lancé là. Putain, j'ai trop peur en fait. Ok. Ok. On arrive dans une prochaine zone. Oh non. Oh non. Vite. Ok. Un petit lot de nanogel. Ok, donc ça on sait à quoi ça sert maintenant. Donc là par contre, ouais, je peux pas y aller malheureusement. Ça c'est sûr, je peux pas y aller. Alors qui est-il? Mais attends, cette zone... Attends, je me demande en fait un truc. Est-ce que ce que je récupère me redonne de la vie en fait? Parce que... Ah mais si... Ah c'est la zone où on était au tout début! Vous vous rappelez où genre on est tombé et... D'accord. On l'a pas fait ça. Oh oui. D'ailleurs, je crois... En fait, je suis con parce que la dernière fois, je disais quoi? Je disais... Enfin, t'as là. Je disais, oh, je récupère du soin et tout. En fait, c'est juste de la thune. J'ai envie de canner. C'est juste en fait de l'argent. Ok. Par contre, je garde, j'ai énormément de thunes en fait, bizarrement. Donc en fait, faut que je retourne au laboratoire, en fait, juste pour enfin. Oh le con! Du coup, est-ce que je perds toutes mes nanogels, s'il te plaît? Si c'est ça, bah, j'ai juste envie de canner en fait. Bon, au moins peut-être que je pourrais récupérer genre les objets que j'ai pas pu récupérer sur le tour. En fait, j'avais pas vu qu'en fait on pouvait jump et dash en même temps. Comprendo? Ok, donc ça c'est la zone où on était tout à l'heure mais qu'on n'a pas pu. Du coup, donc par ici ça veut dire. Donc ça veut dire que là on va descendre.
Ah, on peut dash en plus. Ça, c'est bien, ça. Ok, donc là, on est remonté par là. Mais c'est quoi qui m'attaque, là, en fait? D'accord. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, moi, je recherchais juste mon corps d'ail, mais vas-y. Ça va beaucoup plus vite, hein, avec un dash, hein. Le con, il est bloqué contre le mur. Je peux pas passer, en fait. Ok, bon. Putain, je recherche mon corps, moi. J'avais quand même 700... En fait, je suis con. Putain, en fait, je pouvais jump, hop, et dash là. Ça a tellement freeze que j'avais envie de canner, en fait. Je sais même pas si je peux passer par en dessous, mais... Oh là, t'es qui, toi? J'ai trop perdu, là. J'ai perdu trop de thunes, trop d'argent... Bon, après, c'est une découverte, hein. Là, de l'argent, je m'en fous un peu, parce que... C'est pas vraiment ce que je recherche actuellement pour le moment. Ce que je recherche, c'est la suite. C'est tout ce que je veux, en fait. Mais monte! Ok, alléluia. Je me suis dit, je vais m'en sortir. Ok, donc c'est donc ça. Et pas optimisé, hein. Alléluia de l'argent. Il donne que 25, lui. Oh, le radin. Donc, c'est peut-être qu'il protégeait quelque chose. Non. Il protégeait strictement rien. Mais, tu sais, c'est bizarre, des fois, t'as des freezes. Genre, en fait, c'est pas mon PC, hein. Parce que, genre, en gros, je... Bizarre. C'est bizarre à comprendre, mais... Peut-être mal au petit, je sais pas pour le moment, mais... Après, il vient à peine de sortir, hein, donc... On peut nager. Enfin, nager, c'est vite dit, hein. C'est juste, on est en mode apesanteur, hein. Mais j'ai envie de canner. Quoi? Attends, l'eau à ma blockade.
Putain, dommage. Ok, je sais pas où je vais là. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'avance. Vous êtes invincible quand le... Ah ouais? Motivateur. Mais une patate, hein. Oh là là, ça y est, je l'ai paradé. Pas de pleurs. Vous avez obtenu un module. Ouvrez le menu pour accéder à l'onglet. Un module. C'est à moi ça déjà? Un module. Ok. Oh, je viens de remarquer un truc. Il y avait la carte. M'étonne. En plus, tu peux même mettre des stickers. Oh, on peut aller là. Rosslock Drift Alpha. Un peu bizarre cette zone, mais bon. Les tunnels sont dangereux. Reviens dans un an. Ok. Merci. Pauvre naze. Oh putain. Ah ouais, c'est... Après, il m'a prévenu, hein, mais... Tranquille, on y va tout doucement. Hein. Attends, on se croirait dans les catacombes de Hollow Knight, quoi. Oh non. Oh putain. Mini-boss. Eh, si je repop là-bas, je vais canner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est merveilleux, hein. Vous savez, c'est vraiment bien, hein, ce jeu, hein. Bon, en tout cas, c'était vraiment une bonne petite découverte, hein, une bonne vingtaine, trentaine de minutes. En vrai, si genre, y aurait eu un feu... Parce que là, je vous le dis, hein, il y a zéro point de réapparition sauvegarde. Le seul que j'ai trouvé, c'est celui-là qui avait juste ici, là. Sinon, c'est tout, en fait. Quand tu regardes sur toute la carte, là, le seul... Tu vois, je suis mort là, en fait. Le seul point de sauvegarde, il est ici, sur toute la carte. Ça veut dire que là, t'as une nouvelle zone. Ici, t'as une nouvelle zone. Ça veut dire que t'es... Tu dois sûrement avoir un point de sauvegarde, donc un laboratoire, en fait, sur chaque zone. Et du coup, vu que j'en ai une dans la zone verte, bah t'en as une autre sur la zone là. Mais vu que je viens à peine de rentrer là, bah... Voilà quoi. Et voilà. En plus, il nous indique bien qu'il faut aller ici. Hein. Mais bon, en tout cas, c'était une bonne découverte. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré... J'aurais bien voulu faire plus que ça, mais... En fait, le souci, c'est que si tu meurs une fois, tu reviens là. Ici. Du coup, bah t'es un peu dans la mouisasque, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Et on peut que sauvegarder ? Ouais, on peut que sauvegarder. Et ça te soigne déjà, c'est pas mal. Mais j'aurais préféré avoir plein de trucs comme ça plus souvent, quoi. Mais s'il y en a que dans les laboratoires... Voilà, quoi. Je vais regarder un petit peu vite fait pour un peu apprendre des trucs et tout. Oh, les modules. Mais les modules, c'est un peu comme... Attends, coût de puissance 6 et puissance disponible. Peut faire pousser les fleurs. Pardon ?
En fait, faut avoir 6 en attaque. Et 5, on va dire. On va 6 pour avoir de l'attaque, en fait. Et putain, coup de puissance. Puissance de feu disponible. 5. Ah, ça veut dire que c'est ce qui me manque encore pour pouvoir, en fait, débloquer ça. D'accord. Ok. Et bon, en tout cas, voilà. Bon, c'était une petite vidéo assez courte, bien sûr. Mais en tout cas, on en a appris pas mal sur ce jeu. Et ça a l'air plutôt cool, en vrai. Hein. Donc moi, je vais m'arrêter là pour cette petite courte vidéo. Découverte, on découvre un petit peu les trucs. Mais c'est vrai, j'aurais bien voulu découvrir plus, mais voilà. Donc, possiblement, c'est un peu un jeu un peu de The Hollow Knight, un peu. Sauf que cette fois, c'est pas avec une épée, mais avec un gun. Il y a très souvent ces jeux-là qui sortent, donc voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. On verra donc cela pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Bye à tous. N'oubliez pas de liker. Et vous abonner. Bye à tous.